Il aura pigé, ce sera des menus. Vous avez vraiment envie d'y aller? Et comment? Qu'est-ce qu'ils ont donc de si extraordinaire, vos petits copains? Ils sont jeunes, c'est ça? C'est ça, vous avez tout deviné. Et pourquoi pardon. Eux et pas moi? Parce que vous y attachez trop d'importance. Moi, j'aime faire ça entre autres. Tandis qu'avec vous, ce serait ça et rien d'autre. Je pourrais peut-être aussi jeter un coup d'œil. Si vous voulez, mais vous aurez du mal à monter en marche. Je vous vois de moins en moins dans mon lit et de plus en plus dans mes affaires. Oh, chouette alors! Voilà, on danse pour bonsoir. L'homme à la Jaguar. Bonsoir. Tu attends quelqu'un? Non. Alors, tu les collectionnes? Quoi? Les vieux. Charmant. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mais on oublie de préciser qu'il y a toute une période intermédiaire où on sait déjà et où on peut encore. Tiens, voilà, Françoise. T'es au téléphone, non? Faut quand même pas le rembarrer. Alors le vieux con, tu le vois toujours? Il est moins con que toi. Lui, il comprend vite. Et toi, tu m'ennuies. Tu sais ce que ça veut dire, tu m'ennuies. C'est pas vrai. Si, définitivement. Alors, ton examen? Enfin, Paul. Oh, non, chouette. C'est vrai que t'étais jamais venu. Tu n'y penses pas, dans des conditions décentes, c'est tout. Décidément, vous ne penserez jamais qu'à la décence. Tu lui diras, je me débrouillerai toute seule. Et l'argent, une bonne clinique privée, ça coûte cher, non? Sûrement, mais après la bonne clinique privée, vous finirez par me parler d'une excellente assistance publique. Je ne dis pas ça. Pas encore. Mais vous avez 2 mois pour vous décider. Toi également, réfléchissez bien. J'ai tout réfléchi. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai envie d'aller m'amuser. Ça me paraît tout indiqué. Justement. Pendant que j'en ai encore le temps.